Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur Phoenix Point. Donc la dernière fois, on avait activé cette base. Donc on avait réparé le centre de soins. Donc si je... Normalement maintenant... Que s'est-il passé? Oh! If you are receiving this message, then respond on the secure channel I have provided. It is essential that the information I am about to give you is kept confidential. My name is not important now, but I am known among the pure as Subject 24, the 24th volunteer in a program set up by Tobias West that gave us hope. We had a solution. A solution? A secret program that would fix the world. And in the final moment, he backed down. Nothing prepared me for his treachery, his selfish cowardice. But his attempts to erase us have failed. Failed. It was known as Project Purity. One man's dream of replacing every inch of human flesh with neurally controlled prosthetics. When I volunteered for the project, I had nothing left. My entire family, had succumbed to the Pandora virus. I watched my wife through bulletproof glass as she slowly turned into an abomination. Abominations! They're everywhere, waiting, watching. I had nothing left to lose. Along with many other brave men and women, I put myself forwards. A lot was sacrificed. He pushed us to the limit. Dozens of us died or were left crippled, and we came close to success. The Juggernaut Warrior was the final design. More than a soldier, more than a human, with titanium skin impervious to infection, perfectly pure. Pure! Pure as a smile in winter, as a human should be. There were problems. Total encapsulation created some. Mental instability, hallucinations, and dreams. Not everyone could take it, but there was no shortage of volunteers to take the program forwards. And then, Tobias West, the coward, the traitor, the small-minded charlatan, pulled the plug. Terrified of what he couldn't understand, the great leader ordered everyone involved with the project killed. Killed! Maybe he thought if he buried us, he'd bury the truth of his shame along with us. His shame! But we fought back. I and several others managed to escape. For years we remained silent, hiding, running, waiting for the right moment. The right moment. And that moment has come. Has come! Facing a losing battle against the Pandora virus, the weak-minded West has reactivated the old Project Purity facilities, and that makes him vulnerable. Phoenix, I am offering you an exchange. I know the location of the facility and how to get in. You have the firepower. The power! Hailstorms of fire and acid. Raid the lab and share the tech with us. All this time in hiding has left us damaged and in need of urgent repairs. If you succeed, we will both gain. Humanity will gain. We are the pure. The pure! We are the future. Help us, Phoenix. Help our species. Il a l'air un peu dérangé lui aussi. Ok, nous recevons une transmission d'une source non identifiée. Cette transmission provient d'un individu s'identifiant comme sujet 23, 24. Nous n'avons pas tous les détails, mais sujet 24 prétend nous contacter pour nous mettre en garde et nous proposer quelque chose qui bénéficierait à tout le monde. Les tentatives pour trouver la source exacte de transmission n'ont rien donné. Sujet 24 nous a demandé d'attaquer une installation de la Nouvelle Jéricho. Ah! Si nous acceptons, il nous enverra les détails, y compris le lieu exact de l'installation et potentiellement ses défenses de sécurité. Cependant, une telle action détériorera probablement nos relations avec la Nouvelle Jéricho. Ouais. Premier choix difficile. Premier choix difficile. Donc, par contre, a priori, on va avoir des technologies, tout ça, que la Nouvelle Jéricho, semble-t-il, veulent cacher. Donc, est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on l'aide pas? C'est compliqué.
Il a l'air quand même un peu barré, ce mec. Mais si c'est pour avoir des technologies qui nous aident par la suite, hein? Est-ce que ce serait pas intéressant? Est-ce qu'on pourrait pas regagner la confiance de la nouvelle Jéricho plus tard? Surtout que c'est que le début, on est quasiment. On n'a pas beaucoup de. Ouais, allez, on va l'aider. Suivi 24 nous a demandé d'attaquer une installation de la Jéricho. Si nous acceptons, il nous enverra les détails, y compris les lieux exacts de l'installation. Et potentiellement. Ah, ok. Site ajouté au géoscape. Indéfendable. Ok. This new Jericho Force cérébrale. We've been hearing about. It sounds like a pretty cool technology, really. But has anyone thought about how easily it could be abused? Hein? Cette technologie neurale de la nouvelle Jéricho dont on entend parler, ça a l'air bien cool. Mais personne ne s'est demandé si un autocrate porté par des illusions de grandeur ne risquerait pas d'en abuser. Une logique est une société de loi et de principe, il n'y aura pas d'abus. C'est une tentative pathétique pour plus complexe et la biologie. Mais... Ok, donc on a des choix à faire assez souvent. Inquiétante possibilité. Tentative pathétique pour chercher un moyen de régler un problème plus complexe lié à la biologie humaine. Technologie neurale. Allez, on va dire ça. You think so? Because to me, it seems like attitude de la nouvelle Jéricho vers projet Phoenix plus 3. Synédrion envers projet Phoenix moins 3. Maybe New Jericho is all you believe it to be. I hope so. Je sais pas qui c'est Synédrion. C'est ce que vous pensez? Car pour moi, on dirait que ces principes ne passent jamais par une expression structurelle. Et sont mis de côté bien trop facilement, tandis qu'ils deviennent gênants, mais... Ok. Événements limités dans le temps. Les événements limités dans le temps sont les objectifs qui se présentent pour certains temps. S'ils ne sont pas atteints dans la limite de temps à partie, la mission disparaîtra et ne sera plus disponible pendant le reste de la partie. Ok. Ok, c'est où qu'on a un truc de temps? Oh là, il y a un truc là, non? C'est quoi ça? Oh! Il y a un autre vaisseau là? Il y a un truc phénix ici. Mission disponible. Prisonnier de glace. Ah ouais, ok, c'est sécurisé le laboratoire cryogénique. Ok, donc il y a des missions très très loin. Il y a un truc là aussi. Phénix aéronautique. Au pôle sud quoi. Ouais, je voudrais remonter, merci. Il y en a un autre là. Là, il y a un truc au milieu aussi. Là, il y a un truc là. Ah ouais, mais c'est hyper loin les missions qu'on doit faire. C'est où les trucs avec un délai dans le temps là qui sont apparus? Je ne vois pas. C'était juste pour nous dire que c'est possible. Ah non, c'est là, indéfendable. 10 jours. On va se soigner peut-être déjà. Hein? Clac, 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 clac. Pouf. Pouf. Voilà. Quartier d'épaissation. Ok. Pour le moment, on n'en a pas trop besoin. On va venir ici. Attendez. On doit, pour se déplacer, faut qu'on vienne. Faut qu'on fasse un point entre. Donc, on va peut-être faire un truc. Site inexploré. On va peut-être choisir un truc entre les deux. Ouais, même deux. Voilà. Ouais, de toute façon, faut qu'on passe par deux. On va venir là. Chut. Ah, j'ai cru que c'était un autre faut explorer. Ok, donc c'est un site, un refuge de la Nouvelle Jéricho. Ok, donc là, on va se déplacer. Construction centre d'entraînement. Ok. Héros du malheur, site d'exploration. Nos agents. Ah oui, il y a plein de choix, c'est cool. J'aime bien ce genre de choses. Nos agents décident de se poser près d'un complexe industriel abandonné à l'atterrissage du vaisseau Manticore 1. Un homme sort du bâtiment et salue nos agents d'un signe de la main. Il se présente comme le docteur Peter Keen. Il a l'air à moitié affamé et fiévreux, fixant avec de grands yeux quiconque s'approche de lui.
J'ai besoin que vous le preniez. J'ai besoin de me défaire des liens du passé. Les problèmes mortels de machines. Prenez tout, s'il vous plaît. Appréhender, refuser, accepter. Accepter? Pourquoi perdez-vous du temps? Je ne vous dirai rien sur mon passé. Le passé n'a pas d'importance. Le futur compte. Je ne peux pas y accéder tant que je ne suis alourdi par toute cette mortalité, la culpabilité partout. Prenez-la, emportez-la. Nos agents répondent aux souhaits du Dr. Keane et récupèrent son inventaire de ressources. Technologie plus 60 matériaux plus 500 coups. Merci. Merci, gros. Il n'y a pas un espèce de truc de... Ah, diplomatie, c'est ça que je voulais voir. Disciple d'Anu, Nouvelle Jéricho. Et c'est quoi les... on les a pas encore rencontrés, là, les cinés, d'où, je sais pas quoi, là. Fabrication. Enfin, je fabrique des... ça, je crois. RSR 15. AR1, pardon. Mais c'est pas ceux-là, du coup. On verra. Alors, lui, il est parti, tiens, c'est marrant. Il se déplace. Vas-y, on va se déplacer là-bas. Indéfendable. Fort Liberty. Résumé de la mission. Sujet 24 nous a fourni. Blablabla. Commencez. Mon endurance pas au max. On s'en fout. Lui, il a plus de balles. Certains de vos hommes ne sont pas complètement chargés. Oslovitch. C'est-à-dire, il en est où, lui? Personnel. Oslovitch. Tir de riposte. Effectuer un tir de riposte sur un ennemi qui attaque un allié. On peut voir son... On voit ceux qui sont morts, ok. Modifier unité. Personnalisation. Oui, ok, j'ai compris, merci. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est pas lui, c'est Poslovitch. Chargeur de Bulldog AR-50. Ah oui, ok, j'en ai pas. J'en ai qu'un. Et là, si je fais... Je peux pas... Ah putain. Je peux pas faire genre ça. Non. Comment on fait pour la recharger? Je peux pas la recharger d'ici. C'est quand même bizarre. Y a pas de clic droit. Alors. Sélectionner. Recycler. Ok. Je peux pas la recharger. J'ai pas compris là. En tout cas, il a encore des balles. Je pensais qu'on pouvait les recharger comme ça. Armée de l'air, ok. C'est pas là, c'est pas là. Et de toute façon, a priori, je ne peux pas recharger ces armes. On peut fabriquer pas mal d'armures, mais bon. Pour le moment, je ne sais pas. Bon, bah on rechargera sur place au début. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mission spéciale. Commencer la mission. Déployer. Allez, c'est parti. Les corrupteurs peuvent prendre le contrôle de vos soldats. Un moyen risqué de s'y défaire et de viser la tête de la victime. Les armes de poing sont plus efficaces. Ok. Très bien. Donc là, il va falloir qu'on infiltre un complexe de la Nouvelle Jéricho, a priori. C'est intéressant, ma mission. Pardon. C'est intéressant. Pour partir à la recherche de technologie. En espérant que je perde pas tous mes gars. Est-ce que je peux faire une petite sauvegarde là au cas où?
Ok, il y a des ennemis qui pop un peu de partout. Il y a quoi là? Des technologies à venir récupérer un peu partout. Ok, il y a des véhicules là. Il y a un truc à faire à l'autre bout là-bas aussi. Il y a des ennemis qui peuvent pop de là-bas. Je sens que ça va être une mission assez chaude encore. Qu'est-ce qu'il fait sur les caisses lui? Comment on rentre dans ce bâtiment là? Là il y a une porte. Ok. Ah oui, lui il peut se. C'est vrai. Il peut faire un méga saut. Mais on va attendre avant de se déplacer beaucoup. Tu vas venir là toi? On va se déplacer en groupe, on va essayer de rentrer par cette porte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire par là. Et par où on évacue, d'ailleurs. Il n'y a pas de truc d'évacuation, donc je suppose que dès qu'on aura récupéré le dernier truc, la mission sera terminée. Donc, on va tenter de rentrer par là. Ouais, donc on va venir par ici. Parti, toi tu bouges pas. Sniper. Je te mets très bien ici. Hop. Enfin, à minou du coup. Hop. Poslovich. Tu vas venir ici toi. Ils mettent une icône d'ennemi comme ça, mais je suppose que c'est des. Ça va être des soldats de la Nouvelle Jéricho. Je suppose. Est-ce que ce serait utile de monter au premier étage? Non. Il y aura sûrement des hommes. Des ennemis. Toi, tu vas venir là. Et on va passer notre tour et on va voir ce qui se passe. Nouvelle Jéricho. Et oui, voilà. Unité d'assaut. Unité d'assaut. Bon, pour le moment, je suis pas détecté. On va essayer de continuer comme ça. Toi, tu vas rester là. Toi. Toi, toi, toi. On peut leur tirer dessus. Ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée de leur tirer dessus. Tu vas venir là. Ok. Toi. Tu vas venir ici. Ok, bah du coup, tu vas même venir. Ici. Toi, tu vas rester là où t'es. Toi, tu vas venir à l'intérieur. Il y a des fenêtres où là sur ce bâtiment? Il n'y a pas de fenêtre au rez-de-chaussée, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils pourront pas me voir. Par contre, ils peuvent. Non, ils pourront pas me voir. Ok, donc on va essayer de d'être malin. Toi, tu vas venir là. C'était peut-être pas malin, ça. Peut-être que là, c'est plus malin. Parce qu'on surveille là-bas, et en même temps, et lui, il continue de surveiller là. Ouais. Ils sont où, là-bas? Ouais, ils sont là-bas. Toi, 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 tu vas venir là. Let's rock. J'espère qu'il n'y a personne à l'intérieur du bâtiment, surtout. Toi, tu vas rester là pour le moment. Comment ça alerter? D'où? Ok, donc lui il va monter. Ah! Fantastique! Ah! Vigilance. Ok. Fantastique.
Bah yes. Can't wait. Surtout que je sais qu'ils sont costauds, les mecs. Toi, tu peux tirer dessus, là? Ok, alors... Tu peux lui faire quoi? Visée libre. Pas grand-chose, hein. A priori. Ouais, ça fait pas grand-chose. Ouais, ils sont costauds, les mecs, là, hein. Ça pue la défaite. Je pensais pas être repéré déjà, quoi. Toi, tu vas te mettre en vigilance par là. Ou par là. Parce que là, il y en a un autre qui arrive là. Alors l'autre, il va arriver d'où, là? Avec son échelle, il va monter tout en haut. Il va faire quoi, après, d'en haut? Il va redescendre par là, peut-être. Ouais, il va pouvoir redescendre par là, mais... Ouais, il va mettre du temps avant d'arriver sur moi. Toi, soit tu te mets en vigilance par là, soit tu te mets en vigilance par là. Sachant qu'il y a lui là-bas. Ah, toi, tu vas te mettre en vigilance par là, je pense. C'est le mieux. Ouais. Ok. Toi. Non. Est-ce que tu peux le tirer dessus, là, non? Non, tu le vois pas. Il faut que tu viennes ici. Et d'ici, tu peux le défoncer. Oh, ça lui fait rien du tout. Mastodonte. Ok, vise la tête, c'est un peu mieux. Ouh là là. Ah ouais. Ok, je sens que je vais me faire défoncer. Visée rapide. Et tu es avec une arme de coûte un peu. Les tirs, un coup de bonne action, point de volonté 3. Ok. Ok, donc là, je peux faire deux tirs a priori sur. Je peux pas faire une visée libre là. Pourquoi je peux pas la viser? Je comprends pas là. C'est quoi ce bordel? Bon, allez, vas-y, tirez. Ok, très bien. Donc là, je peux le relui tirer dessus. Non? Ah, c'est juste un des tirs, vigilance. Bah vas-y. Vigilance par là alors. Comme ça. Voilà. Ok, toi, tu peux pas te mettre en vigilance. Comment on voit le nombre de balles qui me reste? Nombre de chargeurs portés. Je sais pas. Je sais pas, on va attendre. Toi. Ah, toi, tu vas te mettre en vigilance, je crois bien. Ou alors tu rentres et t'achèves lui. C'est-à-dire que elle, elle aura utilisé ses points d'action pour rien. Parce que elle, là, elle le défonce, a priori. Ou tu tires dessus. Ah, c'est pas bête. Visée libre. Ouais, on a quand même beaucoup de chance de louper là. Ouais. Allez, vas-y, vigilance. Clac. Ok, toi t'as fini. Bah, terminé le tour. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. Allez, voilà. Très bien. Très bien. Ça lui a pas fait beaucoup de dégâts, mais bon. Ouf, heureusement que j'étais à couvert. Parce que eux, ils font très mal avec leur fusil, là. Ils font même carrément très très mal. Voilà. Ah ouais, il l'a touché qu'une fois, il lui a fait des gros dégâts. Hein. Vas-y, tue-le. Oui. Yes. Joli. Alors toi... Est-ce que tu tirerais pas sur lui? Ouais, les trois coups le tueraient, mais à mon avis, je vais pas le tuer. Il y a de fortes chances que je le tue pas. Toi. Il y en a un au-dessus, hein. Il va falloir faire gaffe, il y en a un au-dessus. Toi, tu vas venir là. Oui,
Il y en a un là encore. Annuler le piratage. Ok, donc elle, elle est occupée. Toi, je peux lui tirer deux fois dessus. Vas-y. Ça lui a pas fait grand chose. Est-ce qu'on se mettrait pas juste en vigilance ? Attendez. Lui, il va tirer là-bas. Déjà. Allez, vas-y. Je crois en toi, mec. Ah, dommage. Ah, dommage. Il te reste combien ? Un point d'action. Ouais, donc rien du tout. À 10 cases ? Ça fait quoi, 10 cases ? Ça fait que lui. Bah, ça me suffirait, en fait, vas-y. Voilà. Ok. Et toi, est-ce que tu viendrais pas pirater un truc en même temps, là ? Pendant qu'on y est, parce que tu sers à rien à l'intérieur, de toute façon, ouais. Allez, hop, go. Oui. Ok, allez, terminer le tour. Alors, attends. Lui. Elle. Ah oui, il y a elle aussi. Voilà, tu vas tirer, hein. Come get some. On peut pas faire mieux, hein. Je pense. Ouais. Faut seul l'actif. Ok, oui. Allez. Ok, medkit. Waouh, ça les soigne complètement. Ok, je suis à couvert, donc ça va. Lui, il va pas pouvoir faire grand chose. Oh là là, il y en a d'autres. Oh là là, il y en a plein. Mind God. Ah, oh, vas-y, il se soigne. Quelle horreur. Quelle horreur, il se soigne. Ça dure combien de temps ce piratage là? Quelle horreur. Toi. Ça m'a coûté des points d'action, ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Tu veux acheter une grenade? Ici, hein, c'est pas mal comme ça. Ouais, vas-y. Oh, ça leur fait rien du tout, quoi. Oh, putain. Ah, c'était totalement useless. C'était totalement nul. Ah, ça y est, t'as fini, toi? Annuler le piratage. Bah non. Je veux pas, non. Donc toi, tu vas tirer sur lui, là-bas. Visée libre. Je vais pas défoncer son casque moi tout à l'heure, je pourrais pas. C'est une mendice, vas-y. Voilà. Bah vas-y, on va refaire pareil. Hein. C'est bien. Oui. Allez. Oh là là. Tour terminé. Tour terminé. Ouais, eux deux ils peuvent pas faire grand chose, du coup ça c'est bien. C'est vraiment bien d'être à couvert quand même. Ok, je me suis pris une balle. Lui, il va falloir qu'il défonce lui, là. Vraiment. Alors toi, va falloir que tu t'amuses à les défoncer, là. Hein ? Genre comme ça, ce serait bien, là. Lui, il est pas blessé, là-bas ? Si. Lui, il est plus blessé, là-bas. J'ai peut-être plus de chances de tuer lui que de tuer lui, non ? Je sais pas. Voilà, j'ai quand même beaucoup de chances de le toucher, quand même. Vas-y, je l'ai loupé une fois, quoi, mais sérieux. Tu vas refaire ça, du coup. Point de volonté. Oh, il a plus de point de volonté, par contre, je suis con. Zut. C'était bête, ça. Il aurait peut-être fallu que je me replie. Faut que je recharge. Confirmé. Ok. Bah, toi, tu vas achever celui-là. Visée libre, ouais. Allez, tue-le. Oui, bien joué. Bien joué, bien joué. Toi. Alors, toi, t'as encore des points. Tu vas peut-être te mettre en vigilance comme ça, du coup. Le problème.
problème, c'est qu'il y a eux qui vont m'arriver dessus là. C'est pas ouf du tout là, si j'amène lui là. Tant pis, je vais être obligé de faire ça encore. Il n'y a plus qu'un point de volonté, mais c'est pas grave. Ils ont fini là le piratage, c'est bon. Par où on va se diriger maintenant? Faut qu'ils viennent m'aider là. Toi tu vas aller pirater ce truc je crois. Ah non c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Toi tu vas pirater ça. Toi tu vas venir ici. Et c'est fini ou pas de pirater, j'ai pas compris. Hein. Tu vas te mettre en vigilance comme ça. Oh c'est nul. Bah comme ça. Ok, toi tu pirates le truc. Toi. Voler les recherches 2 sur 3. Ah bah c'est bon là, donc là j'aurais fini en fait. Toi tu vas te mettre en vigilance comme ça. Pouf. Et toi. Soit actif dans plutôt d'action. Non. Toi. Ah non j'ai fait ça. Oui, ok. Terminé le tour. Nouvelle Jericho, allez. Oula. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Ok. Donc là lui. Très bien, il n'a plus qu'un point de volonté, mais ça c'est pas grave. On va se mettre en visée libre, on va tirer sur lui. Et il faut le tuer. Ça l'a pas tué quoi. Ça l'a pas tué quoi. Sérieux. Sérieusement. Bon, à toi. Tu vas venir te mettre là. Toi plutôt, ouais, voilà, tu vas venir te mettre là. Et tu vas tirer. Comme ça. Ouais, lui, tu peux pas lui faire grand chose. Tu vas achever lui là, s'il te plaît. Voilà, très bien. Très bien. Toi avec ton sniper, tu vas venir te mettre ici. En vigilance par là. Comme ça, c'est pas mal. Et toi, bah toi t'attends. Et toi t'es en train de pirater ton truc, donc on termine tout. A priori, il va terminer, il va pirater ce truc. Lui, il va crever bientôt. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, il le soigne, ok. Ouais, forcément. Ok. Ils sont chauds, hein, quand même. Hein. Ils sont chauds, hein. Ils sont motivés, les mecs. Bim. Allez, 300. Toi. Il y a l'autre là-bas aussi. C'est un mastodonte, par contre, il va falloir faire gaffe. Hein. C'est bon là du coup, lui il a fini ou pas? Oui. Évacuer tous les agents. C'est où qu'il faut s'évacuer? Merde. Ah c'est là. Oh fuck. Oh putain. Eh ben génial. J'avais pas vu. Zut. Je suis dans le caca. Ce serait bien que je récupère des armes un peu là. Lui, il a rien looté, lui. Bon. Sniper. Non, moi je veux tirer avec ça quand même, merci. Putain, je vais être à découvert si je viens là. Elle peut venir se mettre là, si, voilà. Tac. Et tu vas tirer sur lui là-bas. Ici, libre. Ouais, c'est pas mal. Quoi? Quoi? Sérieux? Avec la probabilité que t'avais touché, tu t'es raté.
Si je viens là, lui je le tuerai pas. Par contre lui je peux le tuer je pense. En même temps je suis à demi à découvert quoi, ça me plaît pas du tout. Je vais faire comme ça. Et puis c'est tout. Toi t'attends. Et toi, il va falloir que tu viennes les aider maintenant. Tu vas venir te mettre là. Ok, terminé le tour. Oh, il manque rien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait rien. Ok, parfait. Yes, il est mort. Bon, non, c'est lui qui va m'emmerder par contre. Vraiment. Ouf. Ah ouais, il a mis cher. Il a mis cher. Bah toi, tu vas lui tirer dessus. Hein. Vas-y, en plein milieu là, tu peux pas te rater là. Voilà, merci. Pas te rater. Tu vas te déplacer ici. Ok. Toi, tu vas tirer sur lui ou lui là-bas? Tu peux pas tirer sur l'autre? Sérieux, tu peux pas tirer sur l'autre? Bah... J'aurais préféré qu'il tire sur lui là-bas quand même. Lui, il peut venir là. Poslovitch. Tu vas me tirer sur... Non, sur l'autre, ce serait mieux quand même. Oh, quelle horreur. Ça fait zéro de dégâts, quoi. Ouais, faut que ça vise la tête, quoi. Oh là 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 là, j'ai rien fait du tout. Alors toi... Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Toi, tu vas venir. Et je peux pas faire ça. Ah non. Récupérer et restaurer les points de volonté d'une valeur équivalente à la moitié de la volonté. Termine le tour au cours de l'unité. Ah, j'ai pas le temps de faire ça. Toi, tu vas venir ici. Allez. Tant pis. Non, tu vas attaquer l'autre, s'il te plaît. Vas-y. Ah punaise. Ok, toi, tu vas venir ici. Tu vas achever lui. Vas-y, tire dessus. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu vas venir... Tu vas rester là, t'es bien là où t'es. Je peux pas faire ça. Non, j'ai pas assez de points d'action. Terminé le tour. Lui, il va me mettre cher, lui. Hein. Sur lui, là. Oh non. Ok, bon, là, faut se barrer. Il faut se barrer. Oh là là. Toi, est-ce que tu peux pas faire ça? Ah non, il faut des points de volonté. Donc, tu vas venir ici. Tu vas... Ah, j'ai pas ramassé les trucs par terre, là, mais quel débit. Tu vas tirer sur ton... sur le méchant, là. Vas-y. Voilà. Très bien. Toi, tu vas venir là. J'avais envie de récupérer des trucs un peu, moi. Toi, tu vas venir ici. Tu vas récupérer ça. J'aurais bien voulu autre chose, mais c'est pas grave. Et tu vas venir là. Ok. Parfait. Toi, tu vas venir ici. Ok. Toi, tu vas venir... ici. Hop là. Ah mais il peut venir carrément ici lui. Bah tu vas venir là. Clac clac clac. Ok. Toi tu vas venir là du coup. Lui il est un peu à l'avant mais c'est pas grave. Ok, terminé le tour. Il y a que lui là. Tour terminé, parfait. Bah tu vas venir. C'est où là? C'est où? Ah oui. Tu vas venir là. Ah non, il s'était mis en vigilance. C'est pas grave, ça passe.
Ok. Pour le moment, on va pas l'évacuer parce que je suis pas sûr de pouvoir tous les évacuer. Ok. Toi, tu vas venir ici. Ok, non. Toi, tu vas venir là. Ok. Évacuer. 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 Très bien. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On a juste récupéré un chargeur, du coup, c'était pas ouf. J'aurais bien voulu récupérer plus de choses. Par contre, on a tué plein de mecs, donc ça va gagner l'XP. Un peu, ouais, c'est pas mal. Ils ont tous gagné 10 points de compétences. Ok. Très bien. Bon, là, par contre, la nouvelle Jericho, ils vont pas être contents, à mon avis. Ils vont pas être contents. Qu'est-ce qu'il a dit? Facest ab nostri. Ok. Il est bon d'apprendre, même de son ennemi. Même si cet ennemi. Attitude de Nouvelle Jericho vers projet Phoenix, moins 8. Oui. Même si cet ennemi est un lâche ou un traître, la recherche obtenue ne contient pas qu'une simple série d'améliorations. C'est la première étape pour récupérer la planète. L'humanité renaîtra. Cette fois-ci, les purs ouvriront la voie. Ok. Par contre, je suis dans la merde. Il va falloir que j'aille me soigner. Ok. Ouais, il va falloir que j'aille me soigner, qu'après j'aille me diriger vers... Je pense qu'il faut que j'aille rapidement chercher des nouvelles bases et tout, parce que... Donc, j'ai dit... Surtout que cette base, elle va être très rapidement prise par la... Par le truc, là. Donc, là, c'est ici. Là, c'est ici. Et là, c'est ici. Donc, c'est tout hyper très loin, quoi. Il y a une base ici. Je suppose que cette base, je vais avoir un nouvel avion. Il n'y a pas un truc pas loin, là. Si, il y a ça pas loin. Est-ce que je peux pas aller ici, se déplacer? Hop. Ok, donc là, je vais attendre que mes gars soient remis. Message, citoyen Athéna, Synédrion. Le Synédrion récupère une manticore en parfait état et est prête à en faire don au projet Phoenix. Nos agents sont invités à participer à une festivité dans un refuge voisin au cours duquel le vaisseau sera présenté cérémonieusement. L'invitation dit à notre réussite mutuelle et à un ciel plus sûr pour nous tous. Oh, eux, ils ont l'air pas mal. Le cadeau. Vas-y. Dégagez. Alors on va venir là déjà. Là je suis soigné à peu près donc ça va. Rapport de situation pour Andorian. Ah oui, il faut que je m'arrête là, ça fait 45 minutes que je tourne. Rapport de refuge des observations scientifiques. Artron brut artilleur. Ok. Artron brut. Oula. Très bien. Ouais, ils ont des... Grosses armes de bourrin, ok, j'ai toxique. Donc là, ils vont pouvoir commencer à me tirer dessus. Artilleur, ouais, donc lui, il a une arme, là, je suppose. Ok. Oui, voilà, un fusil d'artron. Ok. Alors, effet diplomatique des bases pandoriennes. Les factions et les chefs de refuge réagissent de façon négative à la révélation de bases pandoriennes. Si vous ne parvenez pas à les détruire, si une faction compte des refuges dans un rayon d'influence d'une base pandorienne, les pénalités diplomatiques sera d'autant plus importante. Cette pénalité sera active sur le rapport suivant de recherche sur les pandoriens et vous aurez 4 jours pour détruire la base avant que la pénalité ne soit appliquée au rapport de recherche suivant. Ok, donc il y a 4 factions en fait. Le volet d'information sur les bases pandoriennes indiquera les pénalités
Diplomatique de la faction. Ok. Très bien. Pourquoi ils m'ont donné ça du coup? Pourquoi il y a des petites. C'est pour dire qu'il y a une ville peut-être. Ah oui, c'est voilà, c'est des tailles de ville en fait, c'est des villes. C'est des bâtiments, c'est comme si c'était des bâtiments. Ok, donc il faut que je me dépêche de venir là, moi. Mais pour le moment, on va s'arrêter là, hein, pour aujourd'hui. Parce que ça fait déjà une très longue vidéo. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!